Bienvenue dans Simo Auto. Définition du code défaut P0100. Le code d'erreur P0100 est un code générique du groupe motopropulseur, c'est-à-dire que ce code défaut couvre toutes les marques et les modèles de véhicules. Le code indique qu'il y a un problème au niveau du débitmètre d'air. Le débitmètre d'air est une pièce mécanique indispensable, il est fixé sur le bloc de filtre à air, qui permet de mesurer la masse d'air et ainsi que sa température pénétrant dans le moteur afin de transmettre cette information au calculateur moteur. Le code P0100 est défini lorsque le calculateur de gestion moteur détecte un problème dans le circuit de débitmètre d'air. La durée de vie d'un débitmètre d'air est difficile à déterminer. Il peut ne jamais être changé au cours de la vie d'une voiture, tout comme il peut défaillir après quelques kilomètres. Mais on peut généralement compter qu'il faut la changer à partir de 160 000 km et 200 000 km. Quelles sont les causes du code défaut P0100? Un problème dans le débitmètre d'air. Élément de mesure défectueuse. Un problème de fuite d'air d'admission. Défaut de contact au niveau des connexions électriques. Un problème dans l'ordinateur gestion moteur. Quels sont les symptômes du code P0100? Enregistrement d'un code de défaut. Le témoin de contrôle moteur est allumé. Ralenti instable. Perte de puissance. La voiture émet de fumée noire à l'échappement. Démarrage difficile ou calage du moteur après son démarrage. Comment résoudre le code P0100? Vérifiez le connecteur de débitmètre d'air que bien fixé. Nettoyez l'emplacement de connecteur. Contrôlez l'absence d'encrassement et d'endommagement. Contrôlez le câblage de débitmètre d'air en vérifiant la continuité et l'absence de court-circuit sur chaque fil du connecteur. Contrôlez le débitmètre avec un multimètre. Mettre le contact. Contrôlez la tension d'alimentation, elle doit être 5 volts, selon les constructeurs. Contrôlez la continuité des conduites de liaison entre le connecteur de calculateur débranché et le connecteur du débitmètre. Contrôlez le signal de sortie, elle doit être entre 5 volts et 1 volt, selon les constructeurs.